On dit souvent que du secteur de l'économie sociale et solidaire, que c'est un géant économique et un nain politique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une marge de progression assez grande sur sa valorisation, sa promotion, notamment sur nos territoires, indépendamment du Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Vous avez parlé d'un label, mais au-delà de ce label, est-ce que vous prévoyez, vous allez faire des propositions sur le mode de gouvernance et est-ce que vous allez faire des propositions sur la fiscalité de l'ESS ?